Alors, je sais pas s'il est juste pour moi ce tableau, mais c'est vrai que je le trouve super joli. Et il est vrai que des vidéos Minecraft, les mecs, sur la chaîne, on en a fait à la pelle. On en a fait plein. Mais a-t-on déjà vécu une seule fois l'expérience Minecraft? A-t-on déjà vécu comme dans Minecraft? Eh bien, aujourd'hui, c'est l'expérience que je vous propose de vivre. Par contre, est-il normal que j'ai l'air d'un géant? Attendez, on va essayer de passer sous les arbres. Ah, c'est compliqué, hein. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je ne sais même pas où est la caméra. Elle est là. Et coucou. Et donc aujourd'hui les gars les filles, on se retrouve dans Minecraft pour une aventure exceptionnelle, pleine de suspense, de rebondissements. Regardez ça, un petit poulet. C'est la première fois que j'en vois un aussi grand, mon vieux. Il est tellement énorme. Comment faire pour le choper? Ah bah comme ça mon gars. Voilà. Ah bah c'est parfait ça. Tiens, faut que je ramasse du bois. Alors tout d'abord, les gars les filles, avant de commencer, eh bien laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur la chaîne. Bienvenue. C'est Jolat. Ici on fait des expériences cheloues, comme par exemple vivre comme dans Minecraft. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je traverse. Oh vache mon gars, c'est vraiment énorme. Du bambou, ça peut toujours servir. Non mais faut que j'arrête de ramasser des merdes comme ça, du bambou et tout. Faut surtout que je me concentre sur les matériaux premiers à ramasser, comme par exemple le bois. Ça c'est très important. Oh là les mecs, je vous dis, je sais plus jouer à Minecraft. Je ne sais plus jouer à Minecraft. Pourtant des épisodes, on en a fait plein, je vous dis, on en a fait à l'appel. Mais là vraiment, je sais pas, je sais plus jouer. Et avant qu'il y en ait un ou une qui me vanne dans les commentaires, je vais me vanner tout seul. Mais de toute façon, j'ai jamais su jouer à Minecraft. Oh, je sais qu'il y aura un petit malin qui aurait écrit ça dans les commentaires. Mon dieu, je vois rien mon gars. Je vois que dalle. Daidi daido, daido, on rentre du boulot. Daidi daido, dado, dado, daidi, daido. C'est tellement énorme les mecs. Alors je sais que les vidéos en VR, de toute façon, ça donne pas la même chose pour vous que pour moi. Mais je vais essayer vraiment de vous donner mon ressenti maximum. Tout ce que je ressens là, par exemple, je ressens un gros malaise à être coincé dans les arbres. Attendez, voilà, on va faire ça. C'est vrai que je me rends pas compte, mais c'est la hauteur normale ça? La hauteur normale, ce serait plutôt ça, non? Là, on sera à hauteur normale, non? Faudrait que je joue accroupi les mecs. Bah vous me voyez plus beaucoup sur l'écran, mais c'est vrai que si je me lève, c'est peut-être normal. C'est parce que j'ai pas l'habitude en VR. Putain les mecs, ça va faire nuit et tout, j'ai... Oh, écoutez, on va creuser une grotte. On va se mettre à l'abri parce que franchement, là, il y a un creeper qui me pète à la gueule en VR. Je fais une crise cardiaque, je vous le dis. Oh, une migale. Putain, mais il y a que de la pierre, les mecs, ici. Il y a que de la pierre. Je suis mort. Oh, il y a des creepers là-bas. Je me casse, mon gars. Comment on va faire? On va se percher sur un arbre et on va attendre la levée du jour. Je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Mon dieu, mais c'est tellement haut, mon gars! Je vous assure que c'est super haut! Il y a un espèce de... Il y a un espèce de slender. Attendez, les mecs. Moi, je pense pas que ce soit le bon bail de passer par là, à mon avis. Hein. Comment on ouvre son inventaire? Voilà. J'ai un bâton dans les mains. Je peux me défendre, les mecs. Ah, il faut du charbon. Oh! Et puis moi, je le regarde, tu sais, normal. Je le regarde, j'attends qu'il me tartine la gueule. Attends, gros. Attends, laisse-moi passer. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Oh, je suis mort, les mecs. Trace, je suis mort. Ouais, c'est fini. Non, là, vraiment, faut pas que je déconne. Ah bah, c'est déjà un petit peu plus chatoyant et un petit peu plus accueillant, la journée. On est d'accord. Faut que je ramasse du bois et tout, mon gars. Faut que je me mette bien, là. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas démarré un petit Minecraft. Et je me suis dit, tiens, au lieu de le démarrer comme ça, pourquoi pas tester en VR? Tu vois, ça pourrait être sympa et tout. Et puis au final, me voilà dans la vraie vie de Minecraft, mon gars. Un chien. Je le laisse. Est-ce que je peux faire genre une hache ou quoi? Des bâtons. Tac. Ah ouais, stylé, mon gars. Ça y est, genre j'ai des bâtons dans les mains et tout là. Une table de craft. Voilà. Ça y est, ça revient, les mecs. Ça revient. C'est bon là. Mon établi, je le pose là. Une hache. Ok. Une pioche. Là, on est déjà pas mal. Donc, ça veut dire que si je fais ça. Non, ça marche pas comme ça. Je crois que ça marche comme ça avec l'épée. Attendez, ben on va s'en faire une épée, mon gars. Genre l'épée, ça doit être ça, il me semble. Voilà, yes. Ok. Je pense qu'on va passer l'autre côté. Ah bah attends, on peut passer l'autre côté comme ça. Eh oui, bien évidemment, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ouh, des vaches, les mecs. Est-ce que ça marche, genre, si je prends mon épée et que je suis ça? On bat les couilles, frère. Saloperie, bah ça... Ah bah là, faut le taper comme ça. D'accord. Je trouve que je suis vachement grand quand même. Alors, je sais pas si c'est une impression, vous me direz dans la vidéo, mais j'ai l'impression que je suis assez grand. Oh, les abeilles, comment qu'ils sont énormes, mon gars. Oh, mais c'est pas des abeilles, mon gars. Laisse tomber, c'est des gargouilles. C'est des ghouls. Elles sont énormes. Regarde ça, mon gars, il y a un bourdon comme ça qui me frôle les oreilles, mais pff, laisse tomber. Je me mets en PLS direct, mon gars. Tiens, prends... Saloperie, j'aurais jamais dû l'attaquer. Oh, je suis empoisonné. Oh, regardez, une grotte. Ouais, je vois rien. Mais je vois rien. Ah ouais. Ah mais... C'est vachement sombre comme ça.
S'il y a moyen de ramasser. Yes! Ah non, je croyais que c'était du charbon. Bon, je me suis emballé pour rien. Déjà, on va se faire un petit établi. On va le poser là. Ouais, une petite pioche en pierre. Nickel. Ah, c'est stylé la fabrication là. Tu peux fabriquer les trucs que tu veux comme ça quoi. Genre, une épée en pierre, une hache en pierre. Attends, on va essayer de descendre un peu. Hein. Non. Attends. On va se barrer de là. C'est pas un bon plan par là. On a un petit peu de steak et tout. On a à manger. Faudrait vraiment qu'on trouve du charbon. Genre, tu vois, peut-être par ici là. Wow. En gros, je vois rien. Oh, c'est pas du charbon ça? Je crois que c'est du charbon gros. Non? Je vois rien mon gars. Je suis accroupi dans ma salle là. Je suis comme ça. Genre, mais je... Mais non gros. Ouais. Ouais. Ouais, dégage. Dégage. Tu vois, l'enfoiré. Attends, je vais me mettre à l'abri parce que ça va faire nuit. Ça va faire nuit, faut qu'on se mette à l'abri. Faut qu'on trouve du charbon. Tapis, je vois rien, mon gars. Vas-y, on va descendre. Au péril de nos vies, mais on va descendre. Ça se trouve, ça fait jour dehors, là. Je pense pas, non. Je vous l'annonce direct. Bientôt, il y a une nouvelle aventure qui va démarrer sur Minecraft. En VR, je suis moins sûr. Mais, disons que ça galère un peu. Mais ça va, franchement, tranquille. Au moins, on a l'expérience vivre comme dans Minecraft. Attends, j'ai ramassé du charbon, là? Non, mais il y a pas de charbon, mon gars. Attends, je suis en train de taper avec un steak de bœuf cru sur de la pierre. Forcément, je suis pas sûr que ça marche. Ma pioche, elle est bientôt rincée, mon gars. Il me reste 4 bois, j'aurais dû en ramasser plus que ça. Moi j'ai fait 2 pioches, ça devrait le faire. Attends, ça m'étonne, j'ai pas encore ramassé un brin de charbon. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai ramassé là? Fer brut, donc à mon avis le charbon il est pas loin les mecs. Attends, je suis descendu bas là mon gars là. Quand même non? On va aller mettre le nez dehors un peu, voir si ça fait jour. Ouais, je pense que oui quand même, j'ai pas mal descendu là. Ouais, yes mon gars. Ça fait jour, regardez ça. Je suis obligé de me baisser pour rentrer dans les cavernes. Oh, du charbon, j'en ai besoin. Mais non, mon gars, il est trop loin. Vas-y, on y va. Oh, il y en a même en dessous. Oh, il y en a partout, mon gars. Ah bah voilà, là, on est bien. Il me faut absolument ce bout de charbon, là-bas. Ce truc de ouf, mon gars. À la conquête du charbon. Oh, puis j'ai faim, mon gars. Attends, bah, je vais manger ça. Bon, c'est un peu cru, tu vois, mais ça passe. Hein. Parfait, ça. Oh, regardez ça, il y en a là. Eh ben, on a nos premiers charbons, les mecs. C'est bon, on est sauvés. Voilà, ça y est, on a fini le jeu, là. Je le finis en VR ce soir, mon gars. Je suis... Regardez, on va pouvoir faire des torches et tout là. On va pouvoir aller se balader dans les grottes, tels des archéologues à la Indiana Jones. Oh, ça va être énorme en VR. Attends, par contre, il me faut du poulet. Petit, petit, petit. Ouh, petit, petit. Oh, de la viande d'âne, mon gars. C'est bon ça. Non? Un bon saucisson d'âne. Hein? Ah, même pas, mon gars. J'aurais pensé, tu vois. On va aller chercher du bois déjà. Là, tout doux, mon joli. Tout doux. Oh là, je ramasse juste un peu de bois. Ouais, nickel. Oh. Ça va faire nuit. On va se dépêcher de ramasser masse de bois. Il nous faut de la viande. Viens là ma cocotte. Cesse de courir. Attendez, on va faire une petite grotte pour la nuit. De toute façon, on va avoir de quoi faire des torches. Regardez ça, on va creuser un petit terrier pour la nuit, tel des petits renards. Putain, ma pioche elle est morte mon gars. Oh, Ah ouais, j'ai appuyé sur le bouton. Ok d'accord. Regardez ce qu'on va faire. On va poser ça là. Est-ce qu'il y a moyen de faire genre des torches ou quoi? Oh, excellent. Et là. Ah ouais mon gars. Dur. Elle est petite la torche. Tu vois, je pensais que ça allait tu vois que ça allait faire des flammes et tout là, qu'on allait voir clair, mais non. Genre faut la poser. Ah ouais. Je peux pas la prendre dans les mains. Ah si mon gars, bien sûr que si. Non? Ah, j'aurais pensé. Est-ce que j'ai de quoi me faire un lit? Laine noire, laine blanche. Putain, j'ai même pas de quoi me faire un lit. Déjà ce qu'on peut faire. Ah bah oui, il nous faut un four mon gars. Attends. Voilà, regardez ça là. Une petite fournaise qu'on va mettre juste à côté. On va mettre à l'intérieur des charbons. Hop, on met la ferraille à cuire et on fait des lingots mon gars. Oh là là, comment qu'on commence à être bien là. On commence à être tellement bien les mecs. Ouais, par contre, je vous dis, c'est pas normal qu'on soit aussi grand. À mon avis, il y a un souci dans les paramétrages. Regarde ça, normalement quand je joue à Minecraft, je suis pas 3 fois plus grand que le four. Je suis obligé de me mettre à 4 pattes pour ouvrir, voir si le poulet est bien cuit. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, je vous dis. Voilà, normalement faut que je sois comme ça. Et encore. Je trouve-tu un peu grand, tu vois. Voilà. Là, vous me voyez pas très haut parce que je suis complètement accroupi, tu vois. Mais normalement, je pense que la taille réglementaire c'est celle-là. Bah dites-moi, il y a un souci, regardez. Quand je me lève, gros, j'ai la tête dans les blocs. Il y a un problème. Normalement, je crois qu'on fait la taille de 2 blocs dans Minecraft. Là, vraiment, je commence à avoir le mal de mer, mais quelque chose de bien. Minecraft VR, ça fait pas super bon ménage, hein. Enfin, personnellement, je trouve. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, sachez que bientôt, il y aura une nouvelle aventure Minecraft sur la chaîne. Pas en VR, en normal. J'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous êtes chaud, vous me faites péter un max de likes sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas toujours, si vous cherchez vos jeux moins chers, ça se passe sur G2A. Vous-même, vous savez, c'est dans la description. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao! Ah ouais, mon gars. Le mal de mer, c'est chaud.